Salut à tous, c'est Zitax. Dans cette vidéo, on va répondre à la question que je vous avais posée, entre guillemets, mais on va répondre avec des tests différents et plus ou moins réalistes. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris le Up'n Atomizator, j'ai essayé de faire quasiment tous les tests avec, et on va voir s'il est plus ou moins cheaté ou non, comme on a pu le voir, et comme on est nombreux à le dire, moi-même je le dis, que l'arme était cheatée. On va voir après ce test si elle est toujours cheatée ou non. Peut-être que j'ai changé d'avis après avoir pu tester de longues heures le Up'n Atomizator et faire différents tests. On va voir ça, c'est parti. Premier test, c'est le moment où on va tirer chaque balle. Donc c'est le temps de latence qu'il y a entre deux munitions, entre deux balles. Il y a environ 2 secondes à 3 secondes maximum. J'ai compté, c'est 2 secondes et quelques. C'est quasiment 3 secondes. C'est vraiment énorme. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. Vous allez voir après pourquoi c'est énorme. Parce que, voilà, c'est vraiment pas très rapide. Au niveau du prix, je sais pas si vous le savez, vous pouvez l'acheter maintenant à Lamination. Il coûte 397 000 dollars. Voilà, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez choisir aussi ses teintes, différentes teintes que vous voulez. Et ce qui est intéressant là, et justement avec le fait qu'on peut justement l'acheter maintenant, c'est qu'on peut voir les statistiques de l'arme. Or, ça, on ne pouvait pas le faire avant que l'arme sorte chez Amination. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, on remarque tout simplement que, déjà, il y a une remise de 8% qui est disponible sur l'arme. Alors, sachant que moi, je l'ai eu à Noël, j'ai pas eu besoin de l'acheter. Donc, on remarque que les dégâts sont à même pas 2 barres. Elles sont à 1 barre et demie. Donc, ce qui est vraiment pas terrible, terrible. Au niveau de la cadence de tir, elle est même pas à 1 barre. Donc, elle est vraiment très, très lente. Elle est à la moitié d'une barre. Donc, vraiment pas du tout rapide. Au niveau de la précision, elle a 1 barre et demie. Donc, on va dire que la précision, sachant qu'elle n'a pas de visée automatique, elle est plutôt bonne. Si vous visez correctement, elle n'a pas de visée automatique, donc il faut bien être dessus, hein, sinon ça ne touche pas. Et au niveau de la portée, elle a une barre, donc elle n'a vraiment pas terrible, terrible au niveau des statistiques sur le papier. Prochain test, j'ai pris un véhicule de PNJ, je lui ai tiré dessus, donc une, deux, trois, quatre, cinq. 6, 7, 8, 9, 10, et elle fume et elle crame. Du coup, j'ai fait le même test avec, avec le personnel. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 roquettes, enfin 18 balles pour détruire un véhicule blindé à 100%, donc c'est vraiment énorme. On finit cette vidéo par un test rien de plus banal, c'est-à-dire que je suis allé faire une guerre commerciale tout simplement, donc je suis allé récupérer des biens. Donc voilà, là il fallait que j'élimine les professionnels, donc je me suis dit vas-y, on va utiliser le Up'n Atomizator histoire de tester un petit peu l'arme et de voir ce que ça vaut en conditions réelles, c'est-à-dire contre, pas contre d'autres joueurs, contre des PNJ, mais voilà, plus ou moins en situation qui peut arriver banalement tout simplement sur GTA 5 Online à jouer normalement. Donc voilà, là je me suis dit vas-y, on va tester cette arme, on va utiliser ça contre les professionnels de la mission là. Où on doit voler des armes tout simplement. Donc je me suis dit vas-y on va tester. Et j'ai très vite regretté d'avoir utilisé cette arme. Comme vous le voyez là je suis dans le rouge donc je suis dans le mal. Je commence à reculer parce que je me fais canarder un petit peu de partout. Là je me dis oula non l'arme elle est carrément pas adaptée à ce genre de mission. Et je me dis vas-y on va mettre on va manger des encas et tout on va mettre une protection et on va y aller avec la mitrailleuse, l'arme, la cage, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, je me suis dit, je vais prendre mon fusil d'assaut parce que sinon, je vais mourir. Clairement, je vais mourir parce que, tout simplement, le Up'n Atomizator n'est pas du tout adapté à ce genre de situation. Donc, au final, alors, j'ai pas fait le test contre d'autres joueurs. Sachant que j'ai réalisé le gameplay et la vidéo, il était 3 h du matin. Donc, il n'y avait pas d'abonnés disponibles pour justement réaliser le test sur un autre joueur. Sachez que si vous tirez sur un joueur en ligne, il va rester par terre la plupart du temps, il pourra plus se lever. Donc ça c'est quand même assez cheaté, mais après
L'arme en soi, si je devais répondre à la question de la vidéo, non. L'arme pour moi n'est pas cheatée. Elle est plutôt faible après les différents tests qu'on a pu réaliser au niveau des explosions de véhicules. Il faut quand même quasiment 10 roquettes. Oui, il faut quasiment 10 roquettes pour exploser un véhicule de PNJ. Il en faut 18 pour exploser un véhicule blindé, enfin une super sportive blindée à 100%. Donc en soi, le véhicule, enfin pardon, le up-end atomisateur n'est pas cheaté, comme vous le voyez, en conditions tout simplement banales sur GTA 5 Online de faire une guerre commerciale. Il n'est pas du tout adapté, la cadence n'est pas adaptée, il n'y a pas de visée auto. Voilà un petit peu pour les dégâts, c'est pas terrible, terrible. Donc non, pour moi maintenant, après avoir fait différents tests concernant cette arme-là, je peux vous dire qu'il n'est pas cheaté. Voilà. Forcément, au début, moi je pensais que c'était assez cheaté parce qu'on n'avait pas fait de test réellement et on n'avait pas les caractéristiques de l'arme de Rockstar, comme vous savez, quand vous achetez une arme chez Ammunition. Donc voilà, donnez-moi votre avis concernant le Up'n Atomisateur. Dites-moi peut-être si vous trouvez peut-être qu'il est cheaté ou non. Moi personnellement, après ces tests-là et après avoir pu tester de longues heures le Up'n Atomisateur, je peux vous dire que pour moi il n'est pas cheaté et que je ne suis pas forcément contre l'arrivée d'autres armes laser tout simplement. Donc voilà, en faisant quelques tests, j'ai pu me rendre compte que les armes comme ça ne sont pas forcément cheatées. Elles ont beaucoup de désavantages, elles ont beaucoup d'inconvénients, pas beaucoup d'avantages. Donc voilà, en soi, ça reste quand même correct. C'est clair que c'est des armes laser et tout, qui tirent pas des balles réelles, mais en soi, elle a des avantages comme des inconvénients. Au niveau des avantages, elle a les balles, bah vous n'avez pas besoin d'en acheter. Après, voilà. C'est une arme qui sort de l'ordinaire et qui change d'habitude, donc c'est plutôt bien. Moi j'ai changé d'avis concernant les armes laser, en tout cas sur le Up'n Atomisateur. Les autres armes quand elles viendront, on fera bien entendu un test aussi pour voir si elle est cheatée ou non. Mais pour le moment, le Up'n Atomisateur pour moi n'est pas cheaté. Donnez-moi votre avis dans les commentaires de la vidéo, ça m'intéresse de voir un petit peu qu'est-ce que vous pensez. Que ce soit vous êtes pour, soit vous êtes contre, mais dites pourquoi. Tout simplement, expliquez. Pourquoi vous êtes contre, expliquez pourquoi vous êtes pour ou expliquez si vous trouvez ça cheaté et pourquoi. C'est surtout le pourquoi qui est intéressant de voir un petit peu les différents avis. Donc voilà, moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de like, à la partager et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Ciao tout le monde.